U Rwanda rwamaganye amagambo rutwitsi ya Perezida Ndayishimiye. U Rwanda rwamaganye ijambo rya Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse kuvugira I Kinshasa akangurira urubyiruko rw'u Rwanda guhiri ku butegetsi bw'igihugu ruvuga ko ribiba amacakubiri mu Banyarwanda kandi rikaba intambamyi mu bijyanye n'amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Mu itangazo guverinoma y'u Rwanda yashyize hanze kuri uyu wa mbere yavuze ko Perezida Ndayishimiye wari uri gukorera mu nshingano afite nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ushinzwe urubyiruko n'amahoro n'umutekano mu birori byarimo ibirango by'uyu muryango yavuze ibintu byinshi bidafite ishingiro ndetse n'ibirego rutwitsi bigamije kubiba amacakubiri mu Banyarwanda no gutambamira amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Guverinoma yagaragaje ko Abanyarwanda baharaniye gushimangira ubumwe n'iterambere ry'igihugu. Urubyiruko rw'Abanyarwanda rwakiriye amahirwe ndetse rugira ibintu byarwo ku buryo rugira uruhare mu kubaka ejo hazaza harwo. Yakomeje ivuga ku biteye inkeke kuba umuntu yahamagara urubyiruko rw'u Rwanda guhirika guverinoma yarwo ko ariko kuba byakorwa n'umuyobozi w'igihugu gituranyi abikoreye ku birango by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ari ukudashishoza gukomeye no guhonyora amahame y'uyu muryango. U Rwanda ruvuga ko nta nyungu rufite mu guteza umwuka mubi n'abaturanyi rugashimangira ko ruzakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa mu karere no hanze yako mu kwimakaza ituze n'iterambere. Iri tangazo rya guverinoma y'u Rwanda rije nyuma y'amasaha make Perezida Ndayishimiye avuze ko azakomeza gukora ibishoboka byose agafasha urubyiruko rw'u Rwanda kwibohora. Aya magambo ya Ndayishimiye y'ubushotoranyi ku Rwanda yayavuze ku cyumweru tariki ya 21 mutarama 2024 mu kiganiro yagiranye n'urubyiruko rusaga 500 I Kinshasa muri Kongo Kinshasa. Perezida Ndayishimiye yumvikanye abwira urubyiruko ko abaturanyi bo mu karere babanye neza ariko ikibazo arabo yise abayobozi babi. Yakomeje avuga ko yiteguye gukomeza urugamba arimo kugeza Abanyarwanda batangiye kotsa igitutu ubuyobozi bwabo. Ati mu karere abaturage babanye neza ndabizi neza nta kibazo gihari hagati y'abaturage ahubwo ikibazo kiri mu bayobozi babi. Urugamba turimo rugomba gukomeza kugeza ubwo n'abaturage b'u Rwanda nabo batangiye kugaragaza igitutu kuko ntekereza ko urubyiruko rw'u Rwanda rudashobora kwemera gukomeza kuba imfungwa mu karere. Iyi mvugo ya Ndayishimiye ishimangira ko yiteguye gutanga umusanzu ku bashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda mu cyo yise kubohora urubyiruko rwagizwe imfungwa. Isa niyungamo ya mugenzi we wa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo Félix Antoine Tshisekedi wagiye agaragaza ko arajwe ishinga no gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Mu mpera za 2023 nibwo umwuka mubi wongeye gututumba hagati y'u Rwanda n'u Burundi nyuma y'uko Perezida Ndayishimiye yumvikanye avuga ko iki gihugu gituranyi gishyigikiye umutwe wa Ruditabara urwanya ubutegetsi bwe. Ni ibirego u Rwanda rwamaganiye kure rushimangira ko nta nyungu rufite mu guhungabanya umutekano w'u Burundi aneka ahubwo harashize igihe rushyikirije iki gihugu bamwe mu barwanyi ba Ruditabara barwinjiyemo binyuranyije n'amategeko. Kuva icyo gihe Perezida Ndayishimiye asa n'uwiyunze kuri mugenzi we Félix Antoine Tshisekedi umaze igihe kinini yijunditse u Rwanda. Yo gutangaza aya magambo ariko Abanyarwanda batandukanye basubije Ndayishimiye watangaje umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Abanyarwanda basubije Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye watangarije I Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo DRC ko afite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda kuko buboshye urubyiruko. Ndayishimiye ku wa 21 mutarama 2024 yaganirije urubyiruko rw'Abanyekongo mu nshingano ye nk'umukuru w'igihugu ushinzwe urubyiruko mu muryango wa Afurika yunze ubumwe AU. Uyu mukuru w'igihugu wari wicaye imbere y'ibendera ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yabwiye urubyiruko ko umwanzi wa Kongo Kinshasa n'u Burundi ari u Rwanda bityo ko abo mu bihugu byombi bakwiye kwifatanya bakarwanya ubutegetsi bwarwo. Aho bigeze dusabwa gukomeza urugamba kugeza ubwo Abanyarwanda batangira kwitandukanya n'ubutegetsi kuko ntekereza ko n'urubyiruko rw'Abanyarwanda rudashobora kwemera kuba nk'imfungwa mu karere. Nyuma yo gutangaza aya magambo ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi Olivier Nduhungirehe yatangarije ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter ko uyu mukuru w'igihugu yahemukiye umuryango wa Afurika yunze ubumwe yamuhaye inshingano zo kuba hafi urubyiruko rw'Abanyafurika. Ambasaderi Nduhungirehe yagize ati ntibyumvikana kumva umukuru w'igihugu cya Afurika ushinzwe urubyiruko mu nama yatewe inkunga na komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe atangariza munsi y'ibendera ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kazafasha Abanyafurika guhirika ubutegetsi bwemewe n'amategeko. Ibi bisobanuye ko yahemukiye abamugiriye icyizere kandi ko yitandukanyije n'amahame y'uyu muryango.
abandi barimo Noel Kambanda nabo bagize icyo bavuga ku magambo ya Ndayishimiye. Noel yatangaje ko amagambo ya Ndayishimiye yavuze yatewe n'amadolari miliyoni ebyiri yahawe na Perezida wa Congo ubwo basinyaga amasezerano y'ubufatanye mu kurwanya umutwe yitwaje intwaro wa M23 kandi ko agaragaza umuyobozi ufite imyumvire ishaje. Ati mubaza Afurika ifite harimo no kugira abakuru b'ubwo bafite imyumvire ishaje nka Perezida Ndayishimiye aho gushyira imbaraga ku hazaza h'urubyiruko rwa Afurika binyuze mu burezi, iterambere no guhatana amahirwe y'akazi no guhanga udushya hagamijwe iterambere ryubaka ibihugu bya Afurika ku ruhando rw'isi. Ndayishimiye yigishije ingengabitekerezo y'urwango rushingiye ku bwoko yifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDR FRN n'interahamwe mu karere k'Ibiyaga Bigari. Abarimo Robert Mugabe nawe yahuje amagambo ya Ndayishimiye na Tshisekedi. Robert Mugabe yagize ati Robert Mugabe yahuje amagambo ya Ndayishimiye na Tshisekedi wa Congo nawe yigeze kuvuga ko azafasha abanyarwanda kubohora u Rwanda kuko ngo babushye. Yagaragaje ko abakuru b'ibihugu byombi nabo bwabo babushye. Yagize ati mbese Tshisekedi na Ndayishimiye bavuga ko bashaka kubohora u Rwanda, kubohora ni iki? Ese ibihugu byabo byaribohoye? Ese bo bwabo baribohoye? Naho Bizimya Joseph yagaragaje ko amagambo ya Ndayishimiye ku Rwanda agamije inyungu ze bwite zitagira icyo zifasha urubyiruko rwa Afrika. Ati kugira abayobozi badashoboye muri Afrika nka Ndayishimiye ushyira imbere inyungu ze bwite. Nsengimana Justo yavuze ko nta rubyiruko rw'u Rwanda rwasabye Ndayishimiye kurufasha gukoraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ati Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yunze mu ryamu mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi yiyemeza gutanga umusanzu mu guhagarika ubutegetsi bw'u Rwanda mu cyo yise kubohora urubyiruko rwagizwe imfungwa. Gasopo urubyiruko ntitwabatumye. Tito Harerimana yavuze ko ibya Ndayishimiye yatangaje abifitemo inyungu kandi ko Abarundi bazakomeza guhomba. Ati igihuru kizabyara igihunyira kiboneka kare, Abarundi nibo barimo kubihomberamo naho Varisto we yibereye muri Diruze. Cyakora ubutegetsi buragwira. Uburundi bwafunze imipaka ibuhuza n'u Rwanda nyuma yaho Ndayishimiye arushinje gufasha umutwe witwaje intwaro wa Leditabara. Congo Kinshasa nayo imaze imyaka ibiri irushinje gufasha umutwe w'Umuventura. Ni ibirego rwateye utwatsi rusobanura ko rudashobora guhungabanya umutekano w'abaturanyi. Mais voilà, aujourd'hui, le Burundi est devenu pourvoyeur de paix. Pourquoi? J'ai constaté que tout le mal que nous avons dans nos pays, ça vient de la mauvaise gestion de la société, de l'idée. Si nous avons notre voisin qui nous agresse, qui essaie de tout, faire, pour saboter nos pays, je crois que ce n'est pas une décision qui vient des citoyens rwandais. J'ai vu quand nous avons entamé les négociations avec le Rwanda, j'ai pris plus de 2 ans de négociations avec les autorités rwandaises. Les Rwandais étaient frustrés, les citoyens rwandais étaient frustrés d'avoir les frontières fermées. Quand nous avons ouvert volontairement, sans condition, les frontières pour montrer notre volonté de paix, les Rwandais se sont bousculés pour venir au lac d'Amérique. Ils se sont bousculés, ils étaient contents. Alors que les terres continuent à alimenter les terroristes, les criminels, l'état-major général, le maire de Tabara se trouve bien élevé au Rwanda et aussi les autorités de l'ONIPA. Ils nous promettaient toujours de les remettre à la justice rwandaise. Ils nous l'ont promettait pendant plus de 2 ans de négociations. J'ai envoyé des émissaires, lui aussi il a envoyé des émissaires au Burundi, mais c'était l'hypocrisie. Voilà. C'était l'hypocrisie. Alors quand ils ont organisé des tueries encore une fois dans un village, tout près de Bujumbura, tout près de la frontière avec la RDC, c'est là où j'ai compris. Enfin, je disais, le menteur, il faut l'accompagner jusqu'à la porte. Je l'ai accompagné et finalement, il a démontré qu'il est menteur. Voilà. Il a démontré. Yes. Si quelqu'un tourmente une fois, la faute est à lui.
si tomate encore une fois, la faute est à lui. Mais si tomate la troisième fois et que tu acceptes, la faute est à toi. Exactement. La faute est à toi. C'est pour cela, quand vous dites qu'est-ce que vous pouvez faire pour que Rwanda se ressaisisse, moi je te dirai, aide-toi toi-même, le monde est éteint. Il ne faut pas compter sur les autres. Nous, les leaders, nous sommes dans l'obligation de protéger nos citoyens. La mission régalienne de chaque État, c'est protéger les citoyens, c'est poursuivre les criminels quand il y a crime, c'est juger les criminels et chercher le bien-être des citoyens. Cette obligation est régalienne à l'État, ce n'est pas régalienne à l'extérieur. C'est pour cela que vous, citoyens, soyez d'abord unis. Citoyens congolais, soyez unis et puis combattre ensemble votre ennemi. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de massacres répétitifs depuis l'indépendance. On a trouvé que le problème majeur était des mauvais leaders. Le peuple est innocent. Le peuple, moi je dis toujours, les citoyens sont des anges. Le problème, ce sont des leaders qui ne savent pas leur mission d'unité. Parce que les leaders sont les symboles de l'unité. Donc, c'est la question régionale. D'abord, il y a l'unité des citoyens. Je sais qu'il n'y a pas de problème entre les citoyens. Ce sont de mauvaises idées. Comme dans l'armée, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes. Ce sont les officiers qui sont mauvais. Alors, à ce moment-là, je crois que notre lutte doit continuer jusqu'à ce que le peuple aussi rwandais commence quand même à aussi faire pression. Parce que je crois que les jeunes rwandais ne peuvent pas accepter d'être des prisonniers dans la région. Je sais que si vous avez parlé de rencontrer ces jeunes, moi, je, en tant que champion sur la jeunesse et la sécurité, je pourrais organiser cette rencontre. D'ailleurs, aujourd'hui, vous connaissez, c'est la capitale de la jeunesse africaine, ça a été adopté par l'Union africaine. Chaque année, on organise des forums des jeunes, à Bujumbura, des jeunes africains. Même pour ces jeunes,